Bonjour à tous les amis, c'est Adoprice Toxy, j'espère que vous allez bien. Et donc, petite vidéo Assassin's Creed. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ouais. Alors, il y a de la nouveauté. Donc il y a de la nouveauté nouvelle, il y a de la nouveauté moins nouvelle. Cela dit, je vais quand même le reprendre. Donc maintenant, les armes des... Oh, qu'est-ce que je vais raconter là? Les trucs des dieux là. Pour Osiris, voilà. Pour la tenue d'Osiris. C'est terminé depuis un petit moment. Maintenant, ça finissait le 26. Et donc, j'ai eu en cadeau une arme. Elle est où? Équipement. J'ai eu en cadeau une arme à récupérer dans le upload. Dans le upload. Je dis du brin. Le upload, c'est le système d'enregistrement sur Xbox. D'enregistrement d'extraits de jeu. Dans le Ubisoft Club. Voilà, c'est ça. En tout cas, il y avait un défi quotidien. Je sais plus si on appelle ça un défi quotidien ou provisoire à faire. Et en fait, en allant dessus, j'ai vu qu'il était déjà fait. C'était par rapport à un score. Et donc, j'ai gagné cette épée en or. Épée avec la tête d'Osiris. Voilà. Sinon dans la boutique, alors je sais pas ce qu'ils sont en train de fumer. C'est pareil, ça doit faire une semaine qu'il est sorti. Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé pour nous sortir un pack comme ça? Non mais sérieux. Certes c'est drôle hein. C'est drôle. Se battre avec un coton-tige. Se battre avec un mix. Bon bref, c'est pas mon délire. Donc pareil, je ne le prends pas. J'espère qu'ils vont nous faire des trucs beaucoup plus sérieux hein. Je pense que je vais finir par la prendre cette tenue. Puisqu'au final quand je vois ça. Mais l'avantage, faut voir le côté positif. Même si j'adhère pas trop aux limadaires. Donc croisement entre la licorne et le dromadaire. Même si j'adhère pas trop, faut quand même voir le côté positif. C'est qu'il commence à nous varier les différentes espèces. Et j'espère, comme je disais dans mes premières vidéos du jeu, tout au début, qu'ils vont nous sortir un âne, un de ces quatre. Alors là, l'âne, je le prendrai directement. Donc, ouais, le coton-tige, il est où? Bah, après, c'est original, hein, mais je me suis posé la question s'ils oseraient, un de ces quatre, nous sortir le même, mais en usagé. Ouais, bref. Alors, petite nouveauté qui vient d'arriver aujourd'hui. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est, donc on va le faire ensemble. Donc l'épée, ouais, c'est l'épée, c'est celle-là. Elle est bien. Je vous l'ai pas montré, j'en ai pas parlé. Regardez comment elle est cheatée. Taux de coup critique 4. Manipulateur, multiplicateur de combo 3. Et santé critique. Enfin, santé par coup critique plus un taux de coup critique de 4. Je n'ai jamais vu une épée en... Ouais, non, si je me trompe pas, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Je dis peut... Non. Ouais, c'est bien ce que je me dis. Je n'ai jamais vu une épée en or aussi cheatée que ça. Regardez bien. 4 points pour les taux critiques et 3 points pour les manipulateurs de combo. Et en plus de ça, on ajoute le santé de coup critique. Donc voilà, si vous voulez cet objet, je sais pas combien de temps il reste puisque j'ai pas regardé, je l'avais directement débloqué. Par contre, je pense, je suis pas sûr, hein, mais que c'est en lien avec la tenue d'Osiris. Avec les dieux, je pense que c'est vraiment un truc complexe. Et bref, je l'ai débloqué, donc voilà. Mais ça se passe dans le Ubisoft Club, donc j'ai vu qu'il y avait encore du temps. Je sais pas combien de temps ce sera à voir. Alors, sinon, petite nouveauté. Une nouvelle quête est apparue sur la carte. Alors, par contre... ouais, je l'avais pas vu. Enfin, je suis vraiment tombé dessus par hasard. Alors, elle est où? Voilà, elle est là. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà un nouveau prétendant. Bon, on va aller voir tout de suite. On va découvrir ensemble. Bon, j'espère que c'est un truc intéressant hein, quand même. Parce que je démarre le jeu tout à l'heure et je fais bah mince, c'est bizarre, y'a que dalle. Oui, je me suis remis en momie. Hey, inutile de fuir.
Alors oui, sinon j'ai installé. Alors j'ai testé le mode cauchemar. Le mode cauchemar, il est galère. Je dois vous le dire, hein, là je serais déjà mort avec le mode cauchemar. Du coup, bon, je vais pas jouer avec puisque j'aime bien la difficulté, mais je suis pas non plus sadique. Par contre, ils ont installé un truc qui est vachement bien. C'est les ennemis. Je vais vous le montrer. Parce que c'est vraiment en trifouillant dans le menu que je suis tombé dessus, hein. Vous êtes peut-être au courant comme vous l'êtes peut-être pas. Non, c'est pas là. Option. Gameplay. Voilà, niveau automatique des ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, il reste tout le temps à votre niveau, plus ou moins. Bon là, j'ai vu qu'il y en avait un 39, mais il reste à votre niveau. Il y a des 41, je pense même être tombé sur un 42, si c'est pas même un petit peu plus, je sais plus. Allez, c'est parti. On va aller faire cette nouvelle quête. Je pense que c'est une nouvelle quête. J'ai joué aujourd'hui. Je l'avais pas vue là. Là, bah ça y est, elle est sortie, elle est tombée, hein. Je pense que c'est en fin d'après-midi, vers, je sais pas, peut-être 17 ou 18 h que le truc il se met en route. Je m'ennuie beaucoup ces derniers temps. Bon, je vous ai sorti la série Call of Duty. Bon, je ne ferai pas d'autres vidéos, je vais pas vous emmerder avec, désolé du terme, mais c'est le cas, avec des heures de gameplay sur le multi ou sur le zombie, hein, de toute façon. Donc en principe, le nouveau DLC, c'est pour cette année, enfin c'est pour ce mois-ci. Ah oui, d'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos Call of Duty, bah je vous souhaite une bonne année. Ouais, je vais peut-être dire bonne année à tout le monde jusqu'à la fin du mois. Eh vas-y, tue-moi pas, wesh, ça se fait pas. Désynchronisation, mais je suis mort. Bon, tant pis. C'est pas grave, de toute façon, il n'y aura pas bougé le truc rouge. Je sais pas pourquoi il est rouge. J'ai regardé, j'ai pas vu le DLC sortir. Je me suis posé la question si ce serait pas aujourd'hui qu'il sortirait, mais non. Sinon, je vais bientôt reprendre bah, dès demain, parce que j'attendais la nouveauté d'aujourd'hui. Pour faire ce live et vous le mettre directement. Mais j'attends. Enfin, dès demain, je reprendrai les lives sur la suite d'Assassin's Creed. Donc, je passerai au Unity. Dès demain. Franchement, je vous avoue vivement que j'ai fini les lives sur les anciens Assassin's Creed. Alors, il y a beaucoup de jeux à venir pour. Pour les temps qui approchent. Je suis pressé que State of Decay sorte. Je vous ferai des lives dessus. Je reprendrai peut-être aussi l'ancien avant qu'il sorte. Far Cry 5. Il y en a tellement. Red Dead Redemption 2. Jurassic Park Evolution. Alors pour ceux qui ne savent pas, il sort cet été en principe, plus ou moins la même période que le film. On n'en entend pas beaucoup parler. Mais c'est plus ou moins un successeur de d'Opération Genesis. Pour ceux qui connaissent. Il y a des fous qui gueulent là. Moi ce que je comprends pas, c'est un nouveau prétendant, mais à quoi Oh, y'a taille, je suis deg. Je pensais qu'il était à côté de moi. Raté. Des fois, c'est plus facile au sol. Ça.
Ne t'inquiète pas, je vais trouver des mercenaires pour les ramener. Où espères-tu trouver des mercenaires ? Qu'a fait cet homme pour mériter un tel traitement ? Il s'est enfui comme un lâche, et mes gladiateurs ont été capturés. Tes gladiateurs ? Ils ne pouvaient pas se défendre ? Ils dormaient, et Gidio était censé monter la garde. Mes deux meilleurs gladiateurs, Kose et Wamukota. Nous étions en route pour l'arène quand des bandits nous ont surpris. Je suis le seul à avoir réussi à m'enfuir. Espèce de pleutre. Je vais te ramener tes gladiateurs, mais laisse ce pauvre homme tranquille. Quand tu auras trouvé mes hommes, empresse-toi de les conduire à l'arène de Sirène. Nous avons été attaqués au nord-est d'ici, près d'un pont de bois sur la route de Sirène. Il reste peut-être une chance de remporter le tournoi. C'est un nouveau prétendant pour l'arène. Est-ce qu'il me suit ou... Bah je sais pas. Trouver et libérer les deux gladiateurs. D'accord. Nook. Tayo. Ah, ça sent l'utilisation du petit nègre. Hein, moi que ce soit en hauteur. Voilà le pont dont t'as parlé, Gidio. Les bandits sont sûrement pas loin. Allez, ça, Walp. Ouf. Cible localisée. Est-ce qu'on peut avoir Pégase avec des ailes et voler au-dessus des montagnes ? Je veux descendre du poney. Ah, je vais sortir l'épée tant qu'à faire. Je la trouve belle cette épée. Bien sûr, elle va avec Osiris. Osiris ? Ouais, si, Osiris, je pense. Oui, c'est moi. Vas-y, t'es méchant, hein. Je la connais, cette grotte. Oh, si je tire largement à côté, ça va pas le faire. Voilà l'un des gladiateurs. Au cours de flèche. J'ai l'impression qu'on l'a drogué. Je vais l'emmener ailleurs. Tu es drogué? Je sais pas si je peux passer par l'échelle. Non. Tant pis.
Excuse-moi, elle est où la sortie? Comment je fais déjà pour le poser? Voilà. Ouh, la chute elle a dû être douloureuse, désolé hein, mais c'est juste le temps. Comment il s'est éclaté au sol, il y avait même une trace de sang. Quand je l'ai lâché. Qui es-tu? Egidio m'a chargé de te retrouver. Tu peux marcher? Je vais essayer. J'ai pas moyen de le poser plus délicatement. Voilà, au moins ça marche. Où est l'autre gladiateur? Oh, ce chien! Il nous a trahis. Il a mis en scène notre enlèvement. Quoi? Les bandits étaient de mèche avec Cosette. Ils lui ont donné un cheval. Tu sais où il a pu aller? Ils lui ont dit que tout était prêt au lac de la montagne, au nord. Si tu le trouves, tu veux bien lui casser le nez de ma part? D'accord. Thanasis et Egidio t'attendent à l'arène de Sirène. Mais tu devrais d'abord te reposer. Prends garde à toi. Ah mais je pense savoir. Je pense savoir ce que ça va apporter. Je pense que ça va apporter un nouvel ennemi dans l'arène. Dans l'arène de Sirène. À part ça, je vois pas. Hein. Parce que le nom de la mission, c'est un nouveau prétendant. Donc je pense que ça va servir à ça. Nouvel ennemi dans l'arène. On verra bien. Hein. On verra bien. Ce sera pas plus rapide en poney. Oh, en téléportation. Tiens. Je demande aux créateurs qui m'entendent, tant qu'ils sont dans des délires d'animaux chelous, ils peuvent me mettre un vélociraptor. J'aurais trop bien. Un vélociraptor et un âne. Où est donc ce Cosette? Ma condition que le vélociraptor il puisse manger les gens aussi. Hein. Bah pas un T-Rex, un T-Rex c'est trop gros. Mais ouais, le raptor c'est bien. Non, je pense qu'il sert à rien à Walp. Ah, par contre là, il y a une preuve. Une enfant toute seule. D'où est-ce que tu vois un gosse, toi? Ah mince, je l'ai entendu, mais je l'entends pas. Enfin, mais je la vois pas. Ah! Fais attention, tu vas finir noyé dans la rivière. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas petite. J'ai 5 ans, moi. Oh, pardon. Moi, je m'appelle Bayek. Et toi? Zalika, retourne voir ta mère. Allez. Je ne suis pas venu me battre. J'en ai assez de tout ça. Tu seras ma dernière victime. Arrête. Il m'éclate, wesh. Cosette, arrête! Mon mari. Le voyage a été difficile. Wamukota m'a tout raconté. Je me réjouis qu'il soit en vie. Je n'avais rien contre lui. Pourquoi organiser un faux enlèvement? Tu ne pouvais pas acheter ta liberté à Thanasis? J'ai essayé, mais il a refusé. J'étais son meilleur gladiateur et ma renommée n'a pas de prix. Reste auprès de ta famille, Cosette. Je me charge d'Athanasis. Tu es une bénédiction des dieux. Hé, hey, Cosette. Arrête de causer. Oh, j'étais obligé de la faire. Elle est nulle, hein. Bon.
Je vais pas me TP là parce qu'ils vont me faire rentrer dans le bâtiment. Causer, arrête de causer. Oh, c'est naze, on dirait mon père. Ah, quand le DLC? Ah, quand le DLC? Alors, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, hein. La mer rouge. J'espère qu'on va pouvoir faire comme Moïse et la séparer en deux. Non, mais range. Bon, vas-y, cours, hein. T'as l'air con comme ça. Wow, je suis un bonhomme, deux en un. Comme le dentifrice. Bah ouais, hein. Deux en un, le dentifrice, ça lave les dents et ça donne une bonne haleine. Bon. Pas pour longtemps en général. Bonjour, t'as un nouveau prétendant pour te fight? Bah non. Il ne vient pas. Ton. Wamukota est blessé. Et Kosei a choisi la liberté. Quoi? Kosei m'appartient. C'est moi qui décide de sa liberté. Oublie-le. Tu ferais bien de trouver d'autres combattants. Ça, c'est une idée. Voilà ce que je te propose. Bats-toi pour moi. Si tu gagnes, je saurai te récompenser. D'accord. Et en plus, tu accorderas sa liberté à Kosei. Tu me plais, toi. Entre dans l'arène et gagne. Fais ma fierté. Rappelle-toi, Thanasis, que je ne travaille pas pour toi. On va survivre à 5 manches dans le mode horde. Je vous avoue que bon, j'ai fait une vidéo en présentant le mode horde. J'ai fait je sais pas combien de manches. J'ai rejoué un petit peu entre temps. Je me suis fait éclater. Ah bah ouais, attends, je vais pas dire que j'ai fait des trucs de ouf alors que c'est pas vrai. Hein. Je me suis même posé la question comment j'ai fait pour arriver manche 12. Ou 11 ou 12, ouais, je sais plus quel manche j'ai arrivé. Attention, c'est mamie. C'est mamie. Mamie vient se battre. Je suis sûr que c'est une mission juste pour dire les. Hé, hey, les gens, regardez, le mode il est arrivé. Vas-y, il faut que je survive à 5 manches. Toi, je t'aime pas. Mais vas-y, arrête de fuir, eh. Mais vas-y, ça fait mal, eh. Ils vont me lancer sur le truc en plus. Mais vas-y, je t'ai rien fait. Vas-y, je vais mourir, je l'avais dit, hein. Ils l'ont rendu difficile, le mode. Vas-y, je vais regagner de la vie un petit peu, je suis pas sadique.
Non, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie parce que voilà, il y a un gros bonhomme qui arrive là. Vas-y, fais un coup critique là, prends-le en secrète. Ouh! Mais arrête de courir après moi! C'est moi qui cours après toi! Bah y'en a encore un? Aïe! Ça fait mal, eh! Donc là, il y a des lions ou des panthères ou je sais pas quoi qui débarquent aussi. Non. Allez, un petit critique là. La dernière fois que j'ai eu un truc comme ça, ils m'ont enchaîné pendant je sais pas combien de temps, je suis mort direct. Les animaux ont été lâchés. Vas-y, bouffez-les! Non! Je dois vivre 25 manches. Faut que je fasse attention à où je vais, hein. Voilà. Pression, pression, pression. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui s'est caché parce que j'ai reçu... Eh, il y a encore là. Ah, il est là-bas. Bon. Voilà, c'est fini. Bon, je vais pas traîner, je vais me laisser mourir. Je veux voir ce que ça donne, hein. Je fais la mission. Hein. Vas-y, elle s'en fait mal. Putain, quand je vois qu'il galère là. Bon. Beau combat, merci. La foule, elle a kiffé. Vous n'avez pas d'amis, oui je sais. Bon, et alors du coup, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? Regagner l'Égypte.
Je sais pas si c'est réellement classé en quête annexe. Allez. Récupérer la récompense. C'est quoi la récompense? Il est où le bonhomme? Ah bah il est juste là. Oh, désolé. J'ai gagné. Où est ton maître? Je t'en prie, tu dois aider Kozai. Wamukota est revenu et il nous a tout dit. Maître Thanasis a payé des soldats romains pour qu'ils lui ramènent Kozai. Le rat. Et Jidio, tu ferais bien de te chercher un autre maître. Nek, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Bah moi aussi j'espère que t'arrives pas trop tard. Vite, cours, Mommy. Ah bah non, c'est vers Alexandrie. Bah c'est là. Il va dos en eau. Un coton-tige. Je vous avoue que je suis un peu déprimé. Ouais, on s'écarte un petit peu beaucoup de l'univers Assassin's Creed. Non, il est interdit de venir ici. Même si bon, ça donne la touche d'humour. C'est pas trop grave. Mais tant qu'à faire, ils auraient dû mettre des contons-tiges sur forme de double lame. Bayek! Esper, emmène Zalika et cachez-vous. Nous avions un marché, Thanasis. Toi, t'es chiant là avec tes grosses armures à chaque fois là. Je ne reviendrai pas. Nul ne possède rien. J'en ai assez vu. C'est lui le méchant, hein. Tiens, meurs. Te voilà un homme libre. Notre fils portera ton nom. Oh, un fils. La famille s'agrandit. Oui. Et grâce à toi, Kozai sera là pour le voir naître. Ce n'est pas grand-chose, mais prends ça. Maintenant, je n'en aurai plus besoin. Adieu, mon ami. Puissent nos chemins se recroiser un jour. Je pensais au début que le gosse qu'elle avait, c'était grâce à lui. Que ça allait s'arrêter, je me fais... Ça insinue quoi, cette histoire? Mais bon. Alors, un joli bouclier. Alors, par contre, le descriptif est intéressant. Bouclier léger permettant des mouvements de troupes rapides. Conçu par un général macédonien. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est des vrais... des objets entre guillemets authentiques.
Genre, ils ont retrouvé des boucliers comme ça, ils ont reproduit, ça servait à ça à l'époque. Historique, voilà. Alors, je sais pas. Bon, bref, cela dit, hein, je l'utiliserai pas, hein, même si c'est rare. Hein. Je préfère quand c'est légendaire. Bon, bah voilà. Donc, c'était la mission. La nouvelle petite mission qui nous avait été donnée. Voilà un nouveau prétendant. Donc, au final, ça nous donne juste un objet mini. Objet mystère, objet rare quoi. Y a pas d'autres trucs? Je vais quand même regarder, on sait jamais. De toute façon, s'il y a d'autres trucs, ce sera dans une autre vidéo. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Bon bah voilà, petite mission ajoutée aujourd'hui, si je me trompe pas. En tout cas, je l'avais pas vue si elle était venue, si elle était arrivée un peu plus tôt. Mais je pense qu'elle a été ajoutée aujourd'hui. Que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça va aller vite à mettre en ligne, puisque j'ai des problèmes d'internet en ce moment. Je mets quoi, 3 heures pour télécharger 300 MO? C'est une blague. Je suis en fibre. Dite optique. Bon allez, c'est pas grave. Allez, zoubi tout le monde!